Johnny. Salut mes petits requins des océans, mes petites belettes des mers, ici Starcade votre hôte, et nous sommes de retour sur World of Warships avec Napoléon 282 qui maîtrise et qui monte son Vauclin. Je rappelle que c'est un destroyer rang 7 français, garanti sans écran de fumée, attention hein. Alors on peut voir que dans sa partie, il est en rang 7, donc il est en rang inférieur par rapport au rang 9 des autres navires. Alors dans l'équipe ennemie, nous avons deux Iowa, un Jambar, un Monarque, un Lion. Bah alors, c'est arrivé Napoléon. Un Seattle, Neptune, Kronstadt, Charles Martel, Elena pour les croiseurs, Z46 marrant pour, en face pour les Mahan, si vous voulez, pour les destroyers. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'essaye peut-être au tir. Et dans son équipe à lui, il y a Iowa, Jambar, Musashi, North Carolina, Nelson, donc que du beau monde. Buffalo, Seattle, alors Seattle, Burke. Enfin, je dis Burke, mais bon, c'est un navire bâtard le Seattle. On n'a pas beaucoup de monde qui l'aime. C'est bizarre. S'il y a des gens qui l'aiment dans les commentaires, mettez-le. Hein. Alors, Hipper, Miyoko, donc Saint-Louis. Donc ouais, c'est pas mal. Le Saint-Louis est un bon petit navire, j'aime bien moi. Donc Benham et Vauclin pour les destroyers. Voyons un petit peu ce qu'il va faire. Là, nous sommes sur domination. Comment s'appelle cette carte? Éclat. Voilà. Donc là, il va entrer dans la base. Je pense qu'il va se cacher en attendant de prendre l'endroit. Je lui redonne sa main. Il est visible à combien? À 7,3 km, j'ai l'impression. Ouais. Et c'est torpille Tirabite. Je connais pas les navires français. Enfin, les destroyers français, donc. Donc il a 38 nœuds en moyenne quoi. Donc il entre. Et il dit noob. Bon, à qui il dit noob, je sais pas, mais il dit noob. Donc il capture B. Est-ce que ça va être contesté? Non, pourquoi il ressort? Ressort pas. Ah, il se met juste là quoi. Ouais, non. Allez, calme. T'es repéré. Dommage. Par qui on demande bien? Ouais, par le Z46. Et bien évidemment, il est pris en partie, mais bon, il a 37 nœuds, ils vont le toucher de temps en temps, mais ils vont pas. Oh putain, il est focalisé par tout le monde. Au revoir, je me tire. Il vaut mieux survivre et revenir plus tard que rester et être détruit. C'est une bonne, un bon adage. Et bon, il est plus repéré déjà là. Le 46 est sorti de la cape aussi, donc personne ne capture B. Pourtant, c'est un point important B. Iowa, 10 km, non, c'est torpilles sont à 8, donc de toute façon. Peut-être aller chercher le marrant avec les autres. S'en débarrasser en fait. On peut le prendre par derrière. Sans vouloir être salace, évidemment. Le marin est dans sa fumée là. Benham détruit le marin, ben voilà. Donc il va s'occuper du navire qu'il a vu. Vous êtes 46. C'est un peu bizarre. Monarque à 10. Attention, t'es vu à 7-3. Hein. Donc l'Iowa, si te voit, ben, tu me diras, donc il est derrière l'île. C'est bon. Il bougera pas l'Iowa. Je pense pas. Il a trop peur du Vauclin. La base C a été prise. Base A est en. Pas être prise aussi par l'ennemi, mais bon, s'ils sont décapés tout le temps, on pas réussir à faire grand chose, donc on attend un petit peu voir ce qui se passe. Je vais quand même monter un peu le son. Là il est bien placé pour torpiller quelqu'un là. Ça peut être l'Iowa, ça peut être le Monarque. Ils sont en train de prendre B. Par contre, ah, ils arrêtent pas de se faire décaper. L'ennemi. Ce qui fait que l'équipe amie a plus de points. Et donc elle a détruit un navire, donc c'est normal. Repéré. Oula. Et non plus repéré. Donc non, ils savent qu'il est là maintenant. Donc il va falloir faire gaffe. Oui, il vaut mieux faire ça en effet.
Sur l'autre Iowa alors. Il y a deux, hein, ouais. Là, c'est vitesse max, on fonce sur l'Iowa et on les. Ouais. Là, il le voit sortir, le mec il doit se dire eh merde. Il se prend 6 torpilles gratos. Comme ça. Il se prend 6 torpilles gratos, le mec, quoi. Ah, attention, c'est un peu mal. Ah, une torpille peut toucher. Ça peut faire mal, ça peut faire très 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 mal, très très mal. Et voilà, touché. Il peut pas arrêter l'inondation, je pense pas, en tout cas. Ouais, il est inondé. Il doit avoir un peu les glandouilles. Il doit avoir un peu les glandouilles, là, l'Iowa. Ouais, ça descend. Il se prend le Myoko. Ah bah bravo, merci beaucoup Myoko. Myoko aurait pu faire beaucoup plus mal. Hein. Je sais pas ce qu'il y a de drôle. Il dit mire de rire à Iowa, Napoléon, mais je vois pas trop ce qu'il y a de drôle en fait. Ce qui est drôle, c'est la dernière torpille qu'il a touchée. Moi j'aurais été l'Iowa, j'aurais pas été mort de rire. Faut dire qu'il s'est fait déborder là, il pensait pas que le Beauclin allait sortir par là quoi. Il faut avoir les colonnes bien accrochées pour passer devant un Iowa comme ça quoi. Il faut dire qu'il est tellement rapide le Beauclin. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? 83 000 points de dégâts. Un navire, il commence à capturer B, bravo. Il n'y aura plus grand chose avec l'Iowa qui était détruit. Le Z-46 qui s'enfuit, qui fait rien. Voilà, l'équipe ennemie doit être en train de rager sur lui. C'est sûr et certain, je sais pas pourquoi je le sens là. 7,3, ça devrait le faire. En tout cas, il joue bien son Vauclin. Hein. Par contre, le Myoko là, il est sur le chemin de trajectoire des torpilles, hein, donc faire gaffe. Oula, le. Ouais, ça sent. Non, c'est bon. Il tourne de toute façon. Un jambard tient là-bas. Ah, ils ont plus de destroyer donc. Et les croiseurs sont partis à volo là. Ouais, si vous faites un petit feu juste avant de qu'il passe de l'autre côté. Non. Non, on passe pas. Myoko détruit. Ils en sont à 5 à 2 en leur faveur. 5 à 3 ? 5 à 2. Le lion a tiré sur lui, je pense. Ouais. Ouh, il a touché quand même. C'est un peu risqué quand même de tirer là. Hein. On peut pas le dire, mais bon. Bah, pff, risqué non. Là, au point où ils en sont, là, à mon avis, c'est plus risqué du tout. Waouh ! Le lion fait son méchant. Le jambard a été détruit. Bon bah il avance tranquillou. Il va capturer A. Il lui fera une capture. Deux captures. Oula, ça nous détruit par le Kronstadt. Il y a un navire là-bas au fond. Ouais, si Charles Martel continue, ok, mais je pense pas à mon avis. Non, non, il est en. Il est en recul en fait, le Charles Martel, c'est même possible. Non, il avance à nouveau. Donc, ils sont pas touchés par les torpilles, elles sont beaucoup trop. Elles sont peu endurantes. Et pour lui faire peur, pourquoi pas, ouais, si jamais il les voit. Et voilà, capture de la zone. Oula! On a un lion à cette. C'est le fameux lion qui veut tirer dessus. Donc il peut le prendre en embuscade. Il peut le prendre en embuscade en I2. I2, I3. Parce que là, le lion qui va longer l'île. Bah, le lion là, s'il est pas bête, il sait qu'il y a un destroyer qui est en train de prendre la base. Il se dit j'ai peut-être essayé de pas passer trop de flanc là-bas et faire demi-tour. Mais il y a le Buffalo qui est quand même assez tentant.
je pense. Non, il s'arrête. Il est pas con quand même. Enfin, j'espère en tout cas pour lui. Donc il n'y a plus que 4 navires ennemis vivants sur contre 8 dans l'équipe amie. Donc bon, la bataille est gagnée là, je pense. 703, il n'y a pas de problème. La A est en train d'être prise. Et une fois qu'il aura pris A, il peut aller, il peut tranquillement se lâcher sur le lion, quoi. Voilà, A prise. De basse prise. Ah, il peut aller tranquillement se lâcher sur le lion à 5 km. Ah, le lion est en train de faire demi-tour. Donc, fais attention parce qu'il y a quand même deux tourelles à l'arrière. Hein. Pourquoi pas. Ouais, et puis il fait mal en plus, hein. Mine de rien. Qualité française au niveau des obus, monsieur. On va prendre la main pour regarder un peu comment il tire. On a un buffalo. Ouais, est-ce qu'il va tourner peut-être? Ouais, c'est bien joué. Un peu là, un peu de comment dire, d'anticipation en fait. Alors attention au secondaire du lion par contre, eux ils peuvent être mortels. Et voilà, 118. Je pense qu'il va l'avoir peut-être, c'est bien possible. Il est temps de faire attention. Kaboum. Ouais, s'approcher aussi presque un peu suicidaire quand même, hein, mon cher Napoléon. Mais il va lui faire mal quand même avec deux torpilles, je pense. Une, deux. Oh, vache. Et puis inondation. Il ne peut pas arrêter. Kaboum. Ah, mais non, c'est le Buffalo qu'il a eu. Bon, ok. 115 000. Non, mais il reste plus que 900 points. Ouais, plus de 900 points. Ils sont à 900 points. Ouais, là je pense que c'est un petit peu suicidaire là, mais bon. Au point où il en était, il s'en foutait un petit peu, je pense. Notre ami Napoléon. La bataille était gagnée. Mais dans même dans l'adversité, dans le gain, dans la victoire, on essaie au maximum d'épargner son navire, mon cher. Parce que là, bon, faire face quand même aux 8 canons à l'arrière et 8 autres canons une fois que le. Ouais, comme dit l'autre en face, c'était une équipe qui est une plaisanterie, quoi. C'est une mauvaise blague pour l'équipe ennemie. Bravo mon cher Napoléon pour cette bataille, puis on se retrouve sur les petits panneaux de fin.
死んでいる。何？